Bonjour à toi qui nous regarde, bonjour à toi qui viens de te réveiller ou toi encore qui prends ton déjeuner ou encore ton dîner. Merci d'être avec nous régulièrement pour participer, pour échanger autour de cette pensée du jour. Je vous propose aujourd'hui d'aborder un sujet un peu délicat, passer à côté de sa vie. Est-ce que vous pensez que vous passez à côté de votre vie réellement? N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire, nous allons aborder ce sujet aujourd'hui. La pensée du jour se trouve dans Jean, chapitre 6, verset 27. « Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Voilà les amis, je vous posais la question il y a quelques instants de savoir si vous avez l'impression de passer à côté de votre vie. Il y a des gens qui vont vivre longtemps, qui vont faire énormément de choses et pourtant qui vont passer à côté de leur vie. Mais j'aimerais vraiment pas que vous, que toi qui m'écoutes, passes à côté de ta vie, de vos vies. Alors, la vie est faite pour quoi? D'une manière générale, pour que nous puissions travailler, parce qu'il faut travailler pour gagner de l'argent, pour payer ses factures. Il faut également prendre du bon temps avec ses amis, faire la fête, avoir quelques plaisirs également, des passions. Certains aiment faire de la plongée, d'autres encore du sport, d'autres encore du vélo. Enfin, plein d'éléments que vous avez en tête. Et puis, très souvent, nous laissons de côté notre vie spirituelle. Alors, c'est vrai qu'il est intéressant de pouvoir travailler pour gagner de l'argent. Mais j'aimerais nous interpeller. L'argent, c'est très bien. Avoir de l'argent, c'est excellent. Mais attention de ne pas passer à côté de notre vie en ayant pour objectif unique de gagner toujours, toujours, toujours et toujours plus. En travaillant, en étant, en tout cas pour ceux qui ont une famille, très peu à la maison, en se justifiant, mais attendez, si je travaille, mais c'est pour vous donner à manger, donc laissez-moi travailler. Et finalement, nous rentrons dans des habitudes, dans des réflexes qui pourraient finalement nous permettre de passer à côté de la vraie vie. Une vraie vie, c'est une vie qui est équilibrée, où nous avons bien sûr le temps du travail, pour ceux qui travaillent, le temps des fêtes aussi, et d'ailleurs, je le dis souvent, je crois que les chrétiens ne font pas assez la fête. Alors, la fête, sainement parlant, bien sûr, ils ne s'amusent pas, ils sont toujours la Bible, on a l'impression que le chrétien devient austère. Si vous ne leur parlez pas de Bible, ils ne sont pas heureux. Dès que vous leur donnez un texte biblique, il y a quelque chose qui arrive. Prenons le temps également dans la vie sociale à tisser des relations avec nos amis, notre famille également. Et ça participe à finalement au bien-être du croyant. Les plaisirs, c'est important, sainement bien sûr. Alors, il y a un texte que j'aimerais vous rappeler dans 1 Timothée chapitre 6, verset 7. Et Paul il dira à Timothée ceci. « Car toi, Timothée, car moi également, car nous n'avons rien apporté dans le monde. » Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Je crois que par ce verset, Paul est en train de dire à Timothée, oui, travaille pour l'essentiel. Travaille pour l'essentiel pour te permettre de vivre correctement. Bien sûr, si vous avez une opportunité d'aller plus loin, faites-le, mais pas au détriment de tout le reste. Pourquoi? Parce que vous et moi, dans la conjoncture, nous ne savons pas quand est-ce que ça va arriver, mais nous allons nous retrouver exactement au même lieu, un lieu calme, un lieu où il y a beaucoup de quoi en général, ou des tombeaux, et finalement, nous serons passés à côté de notre vie. Ce qui est le plus important, les amis, et j'aimerais vraiment que vous puissiez le retenir, c'est que finalement, notre vie spirituelle, c'est finalement cette perspective d'après notre vie terrestre, il va falloir également que nous l'entretenions. L'argent, c'est bien. Travailler, c'est bien. Faire la fête, c'est bien. Avoir des plaisirs dans la vie, c'est bien. Mais n'oublions surtout pas ce qui est le plus important, notre vie spirituelle. Alors, répondez à cette question et j'aimerais vraiment vous lire. Est-ce que vous êtes en train de passer à côté de votre vie parce que vous avez simplement oublié le volet spirituel? Il est temps maintenant également de prendre pleinement votre vie en main pour prévoir, pour finalement accueillir la vie que le Christ lui-même nous propose après notre vie terrestre.
Voilà, les amis, nous avons donc abordé cet élément, hein, passer à côté de sa vie. Sincèrement, je crois que ça ne vaut pas la peine d'avoir travaillé comme un forcené et puis de passer à côté de la vie éternelle. Moi, je vous invite vraiment à vous y engager. Qu'en pensez-vous? Je veux vous lire dans les commentaires. N'hésitez pas à partager avec vos amis. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.